Lorsque je t'ai envoyé retrouver le dévastateur dans le temple noir, je pensais ne jamais te revoir, apprenti. Le prisonnier perd de plus en plus de force. Il n'y a pas de temps à perdre. Écarte-toi et ouvre grand les yeux. Vous perdez votre temps. Jamais vous... Enfin, le dévastateur s'est emparé de son esprit. Excellent. J'espère que ça va être sanglant. Je me fiche de ce à quoi ça va ressembler à partir du moment où j'obtiens les renseignements voulus. Misérable ver de terre, tu détiens des informations cruciales pour moi. Dis-moi tout. Je suis... Service des renseignements, République, en mission spéciale pour m'assurer que... Présence espion de l'Empire, Nar Shaddaa. Sur ordre du Conseil Jedi, suspicion émise par... Maître Nomen Kar. Nomen Kar. Où est le problème? Qui est ce Nomen Kar? Nomen Kar est un maître Jedi qui a infiltré les rangs des Sith. Je l'ai démasqué, mais il m'a presque détruit avant de prendre la fuite. Il a juré de prouver que les Sith envoient des espions dans la République et dans les rangs des Jedi. J'ai contrarié ses plans les uns après les autres, mais il est de nature tenace. Comment Nomen Kar en est-il venu à suspecter mon espion sur Nar Shaddaa? À vous, misérable! Qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille? Maître Nomen Kar a un nouveau Padawan. Elle a le pouvoir de connaître la véritable nature de tout être. Elle ressent le côté obscur et la pureté cachée. Étonnant. Je ne soupçonnais pas que la Force pouvait octroyer de tels dons. Dis-moi, comment fonctionne son pouvoir? Ce Padawan a ressenti le côté obscur chez cet espion, rien qu'en le regardant. Cette menace n'est pas à prendre à la légère. C'est le malheur que j'ai pressenti, la perturbation dans la Force. Si ce jeune Padawan peut percer à jour les illusions et la supercherie avec si peu d'efforts, elle menace tout ce pour quoi j'ai œuvré. Continue, sale chien! Je devais trouver preuve, mais je n'ai pas eu le temps de faire de rapport sur mes découvertes. Nous devons tuer ce Padawan avant qu'il ne devienne un Jedi. Tu as raison, apprenti. Une telle menace ne doit pas errer en liberté dans la galaxie. Qui est ce Padawan, insecte de la République? Dis-moi tout ce que tu sais sur elle. Elle a été découverte sur Alderaan. Son pouvoir s'est manifesté pour la première fois sur Tatooine pendant l'entraînement. Les Jedi ont envoyé un autre agent enquêter. Sur quelqu'un qu'elle suspectait sur Balmora. Nous allons le perdre. Est-ce une humaine ou bien un de ces maudits aliens? Où se trouve-t-elle? Quel est son nom? Je ne peux plus. Non. Oh. Le dévastateur a vidé son esprit. C'est tout ce que nous saurons. C'est un bon début, maître. Cette arme nous a été très utile. Tu as raison. Nous avons quelques pistes à explorer. Nomen Kar ne nous laisse aucun répit.
Ce padawan et ses pouvoirs sans précédent menacent tout ce que j'ai pu réaliser. Ta mission est susceptible de t'envoyer aux quatre coins de la galaxie. Je vais te demander une grande flexibilité d'intervention. Tu auras à ta disposition ton propre vaisseau. Tu l'as bien mérité. Je m'y rends de ce pas. Je dois réfléchir à notre prochain objectif. Ne perds pas de temps. Va chercher ton vaisseau dans mon hangar et attends mes instructions. Ouais, on y va avant qu'il me demande de tout nettoyer, ok ? Waouh, regardez-moi ça. On va avoir la classe maintenant. Je veux dire, bien le bonjour. Je suis 2VR8, droïde à tout faire du vaisseau. Vous devez être mon nouveau maître, gentil et prévenant. Tu trouves que j'ai l'air gentil? Décris-moi ton protocole d'attaque, droïde. Je n'ai pas été conçu pour la violence, maître, mais je sais me rendre utile. On m'a programmé pour une vaste gamme d'opérations. Préparation de repas, entretien du vaisseau, tâches ménagères et étiquettes, parmi tant d'autres. Bienvenue à bord de cet intercepteur impérial de classe Führer. C'est un appareil polyvalent qui combine la maniabilité d'un chasseur à l'arsenal des grands vaisseaux militaires. Tout le confort standard est à votre disposition, y compris le coffre du capitaine pour les objets de valeur. L'ordinateur d'astrogation contient une carte de la galaxie mise à jour en temps réel. Les communications interstellaires sont accessibles via l'holo-terminal du vaisseau. Les alertes prioritaires susceptibles de vous intéresser sont disponibles sur la console Holonet impériale. Et enfin, l'intercom du vaisseau vous servira à communiquer vos ordres au reste de l'équipage. Des questions, maître ? Est-ce qu'au moins tu es capable d'assurer la sécurité quand je ne suis pas à bord ? Je suis désolé de ne pas pouvoir combattre à votre service, maître. Honnêtement, mon châssis ne tiendrait pas le coup. Toutefois, si une tâche trop ingrate pour vous venait à se présenter, n'hésitez pas à me solliciter. Mes circuits sont à votre service. Quand vous serez paré au départ, consultez la carte de la galaxie sur votre pont. Je m'occupe de programmer les coordonnées d'astrogation et d'activer les moteurs. Il nous reste beaucoup à accomplir. Mes intérêts doivent être protégés et mes ennemis mis hors d'état de nuire. Les efforts de Nomenkar pour découvrir mes espions et prouver les pouvoirs de son padawan au Conseil Jedi doivent être systématiquement contrecarrés. Il faudra que tu consacres toute ton énergie à cette tâche. Je suis honoré. Les renseignements que nous avons pu obtenir en drainant cet agent de la République nous serviront de point de départ. Nous savons que mon espion sur Nar Shaddaa était sous surveillance. Nous savons sur quelle planète ce padawan a été découvert et à quel endroit elle a reçu sa formation. Et les Jedi ont envoyé quelqu'un enquêter sur mon espion sur Balmora. Tu vas devoir traquer ce padawan et l'anéantir. C'est comme s'ils étaient déjà morts. N'en fais pas plus que je ne t'ai demandé. Mes contacts sur Balmora et Nar Shaddaa te diront quoi faire. Ta mission est d'une importance capitale, apprenti. Sème la cruauté, la colère et la mort. Ok. Monsieur Son Altesse Sith, au caractère discutable et autres qualités, je me suis super bien comportée récemment, vous avez vu. Alors si vous m'enleviez ce collier électrique... Je pense que ça ne fera pas de mal. Ah ! Oh, quel soulagement. Alors, et maintenant ? Je veux dire, on est au milieu de nulle part et vous êtes le seul à avoir un vaisseau. Tu vas rester avec moi et m'aider à atteindre mes objectifs. Génial! Contente que vous vous soyez détendue. Vous savez, j'étais esclave quand j'étais petite. Beaucoup des tiens naissent esclaves. C'est ce qui t'est arrivé? Pas loin.
Ma mère, ma sœur et moi, on a été attrapés quand j'étais petite. Je me souviens pas bien. On a travaillé dans les mines de Ryloth. Puis ils nous ont séparés. Je parie que tes maîtres te trouvaient plus pénible que serviable. Ouais. Aucune chance qu'ils m'aient élu esclave de l'année. Tu as appris à t'adapter. C'est une bonne chose. C'est déjà pas mal, hein? Merci pour le bavardage. Ah, te voilà sur Balmora. Excellent. Quinn te rencontrera dans ses bureaux, au quartier général de Sobrick. Nous reparlerons une fois qu'il t'aura briefé. Monsieur, je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Si c'est le mieux que vous puissiez faire, vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je peux vous tuer la conscience tranquille. C'est ce que vous voulez ? Non, monsieur. Alors concentrez-vous, Jilins. Vous pouvez disposer. Veuillez m'excuser pour ce retard, Excellence. Lieutenant Malavai Quinn. Dark Barras dit que vous êtes compétent. J'espère qu'il ne se trompe pas. Je mériterai ce compliment, Excellence. Bien que l'Empire ait repris le contrôle de Balmora pendant la guerre, nous n'avons jamais pu nous débarrasser totalement de la République. Il y a un mouvement de résistance plutôt important. Personne ne veut l'admettre. On ne peut tolérer la République. Je partage votre avis, Excellence. Je rêve de voir notre ennemi à terre. J'ai une ligne sécurisée avec le Seigneur Barras. Je le contacte immédiatement. Ah, je vois que vous avez rencontré mon apprenti. Parfait, lieutenant. Veuillez nous laisser. Quinn ne serait rien sans moi. Mais les détails de ta mission devraient rester entre nous. Nous devons agir vite. À cause du padawan de Nomenkar, les soupçons des Jedi se sont portés sur mon espion, ici, sur Balmora. Tu t'en souviens ? Bien sûr, je me souviens de tout. Parfait. J'irai droit au but. Mon espion est le commandant Rylon, de la Résistance de la République. Il assure la liaison avec tous mes agents du secteur. Malheureusement, Quinn suit de près une enquêteuse envoyée par les Jedi. Il va falloir surveiller nos arrières, avant que tu n'assassines Rylon. Tout d'abord, il faut que tu détruises la preuve reliant le commandant Rylon au sabotage des systèmes de défense de Balmora pendant la guerre. Pour cela, tu devras pénétrer dans la tour de contrôle satellitaire. Cette mission est prioritaire. L'enquêteuse Jedi pourrait se rapprocher de cette preuve au moment où nous parlons. Quinn a tout ce qu'il te faut. Je vais l'appeler. N'oublie pas, il ne doit pas connaître la raison de ta mission. Je te contacterai. La ferme, Durmat. Il se passe quelque chose dehors. J'essaie d'écouter. Allez, Zix, crache le morceau. C'est qui cet agent qui vient m'interroger ? Tu peux bien me dire ça, au moins ? Très bien, ne me dis rien, peu importe. De toute façon, je dirai rien. Personne ne me tirera les vers du nez, personne. Moi ? Bon, ça va, d'accord. J'avoue tout. Mon père est un agent impérial. Qu'est-ce que tu as dit ? Ton père est un quoi ? Tout ce que j'ai entendu, c'est « je veux mourir ». Oh non ! C'est une zone interdite au public. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes qui ? Pas vous êtes qui, mais vous êtes quoi ? C'est un site ! Zix, réponds-moi, Zix ! Vous n'êtes qu'un déchet pitoyable. Vous avez raison, je vois rien. Pitié, je sais ce que vous me voulez. La République enquête sur mon père, et un agent est venu me réduire au silence. Mais je dirai rien, je le jure. Quel faible. Je crois qu'on n'avait encore jamais croisé un tel minable. Allons-nous-en. Pour être honnête, j'ai été surpris par votre succès à la tour de contrôle satellitaire et à l'avant-poste du cratère de la République, Excellence. Pour moi, les chances de succès étaient quasiment nulles. Cependant, mon estimation ne prenait en compte que les compétences d'un site ordinaire. De toute évidence, vous n'êtes pas un site ordinaire. Le Seigneur Barras est satisfait. Il dit qu'il est temps de se concentrer sur votre mission principale. Il attend que vous le contactiez. Faites comme chez vous. Activez l'holocommunicateur dans la pièce à côté pour parler avec le Seigneur Barras. La ligne est sécurisée. Cette aide m'a été précieuse. Je serai ici si vous avez besoin de moi, Excellence. Je suis sûr que tu as hâte de quitter cette petite planète. Maintenant que l'ordinateur de la tour de contrôle satellitaire est détruit et le fils de Rylon neutralisé,
Toutes les preuves menant à mon espion ont disparu. Il ne subsiste qu'une menace, Rylon lui-même. Justement, c'est ma spécialité. Je l'ai placé au sein des rangs ennemis il y a des dizaines d'années. Sa contribution aux intérêts de l'Empire est sans pareil. Il est temps de le mettre à la retraite. Il a bien servi. C'est précisément le fond de ma pensée, apprenti. Le Jedi ne doit trouver aucun indice révélant que Rylon a été réduit au silence. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une exécution. Tue tout le monde. On n'entendra plus aucun battement de cœur. Ne laisse aucun témoin. J'ai convoqué le lieutenant Quinn. Il te briefera pour ta dernière tâche. Vous aurez pour dernière cible les armureries de Balmora. Les forces de la Résistance les ont investies récemment et en ont fait leur quartier général. Une incursion dans les armureries de Balmora serait un exploit monumental. Le quartier général de la République se trouve au cœur des armureries de Balmora, l'installation la plus protégée de la planète. Pour atteindre le commandant Rylon, vous allez devoir passer outre les défenses des armureries. Faites-moi un topo sur ces défenses. Je ne peux pas vous en dire plus, mais la Résistance dispose certainement de droïdes d'attaque et de sécurité dernier cri. On estime qu'il y a à l'intérieur 1 000 000 des meilleurs soldats de la République. L'escadron d'élite de Rylon est à l'origine des victoires les plus éclatantes et improbables de la Résistance sur Balmora. Ce sont des soldats légendaires. C'est comme s'ils étaient morts. Leur disparition servira grandement à la cause de l'Empire sur Balmora. Une dernière chose. L'envoyé Jedi concentre ses activités autour des armureries de Balmora. Très bien. Allons-y. Comptez sur moi. Je serai là pour vous saluer lorsque vous aurez réduit les armureries de Balmora en cendres, Excellence. We'll be right back.